Tu me dis mon petit Alors en fait, non, Michi Micha, moi je le connais depuis le lycée. On n'était pas dans le même lycée, mais dans le même quartier. Et là, je Gorilla, il était pas loin, il était vers Villejuif, à Villejuif. Nous, on était dans le 13e. En fait, c'est par hasard qu'on est venu à la troupe. C'est l'histoire de potes, à la base. C'est-à-dire, ça permettait de boire des coups, discuter de son. Hop, il y a des soirées qui se profilent dans des bars, chacun fait sa petite sélection, on passe nos petits délires. Voilà, ça s'est vraiment fait petit à petit, ouais. C'est autre chose que du hip-hop, on peut tout mélanger, ça peut donner quelque chose. Donc, voilà, après, un peu la base du crew, quoi. Ouais. Le hip-hop hein. De toute façon, hip-hop. Antoine, on peut le trouver sur SoundCloud. Michi Micha. M-I-J-I-M-I-S-H-A. Donc. Là, c'est quand même, t'as accès à pas mal de remixes. Et puis après, voilà, passage à la radio pour une émission de featuring tous les vendredis de 22h30 à minuit sur 106.3 FTP. On a eu 2-3 mécènes. Respect à Globe. Big up, Globe. Big up. Il nous a fait mixer en fait dans les Saïd et Globe. Ces soirées, un nouveau casino, des trucs comme ça. D'accord. Jusqu'au jour où on s'est retrouvé à l'Élysée Montmartre pour faire l'ouverture de Tricky. Ce qui était un peu. C'était pas mal. On était contents ce jour-là. On ne connaissait pas Globe. Big up. Statuette avec les trois fameux singes. Il y en a un qui dit rien, il y en a un qui entend rien, il y en a un qui voit rien, ils étaient trois. C'est le... Voilà, c'est parti là-dessus. Et c'est parti là-dessus. Tu sais qu'on entend rien dans les trois ? Moi je me suis fait péter le tympan par un videur étant jeune, donc s'il y a un sourd, c'est moi. Moi je vois rien parce que je bois trop. Moi Clément il dit rien parce qu'il est tout le temps en platine. Tout simplement. Merci pour ce soir, un petit gros big up. Merci. Ça va bien se passer, ça va être cool. Ouais.